un petit peu demoiselle, la plus poêle tombée, et qui ça qui fait actualité hein, au niveau commune. Eh bien, et j'ai quitté 6 avril hein, à 10h matin, un jeune garçon qui violait un élève d'école de 14 ans. Lieutenant Wou Benoît, ça fait des gabions de rivière. Il traînait jeune fille. Hein, et puis il a violé jeune fille. Actuellement, il est allé dans UDREF, qui est une organisation féminine qui travaille dans la communauté. Hein, et UDREF voyait jeune fille hein, dans l'hôpital pour faire examen. C'est une jeune fille qui fréquentait une meilleure école dans la ville. C'est un acte en pile monde déploré. Pendant que les jeunes garçons ont tout fait violent, et puis c'est le moment, tonton qui fait apparaître, qui fait regarder, dit, tonton, monsieur, ça se violer. Il dit, mettez vous en voie, prends une moto, là, j'avais pour lui. Donc c'est comme ça la situation. Et puis nous, de l'autre côté, nous apprenons que. Guito Mathieu. Oui. Avant d'avancer avec notre information, maman Doussa, à qui laisse ça passer et côté et citoyen ça fait action, est-ce qu'il n'y a pas l'autre monde là et qui côté l'entrée avec pour la faire action ça? Et ça passe, c'est lundi et c'est à 10h du matin dans quartier pays ville qui est située à l'est, c'est Wou Benoît, c'est bon côté rivière la digue dans Provence. Mais étonnant, ça qui est étonnant, c'est que en plus monde qu'on passe là sorti non. Dans la section communale, nous comprenons fort mal pendant 10h du matin pour les jeunes garçons. Sauf que je dis, je m'apprends qu'il était fermé la bouche de pied. Mettez main dans la bouche de pied, là, il violait des gabions. Par contre, si vous comprenez gabion, gabions sont sortes de. Et on mur, il fait avec roche. C'est de l'eau envahie ville. Oui, en termes de on muraille, il fait. Gabion, il violait des jeunes filles. Ok. Baba, on a dit que pour fillette 14 ans, Nissa, pour qu'on y a, elle est allée à l'hôpital, elle a fait suivi médical, une façon pour garder, est-ce que après le viol sexuel, elle n'a pas gagné, d'autres problèmes qui vivent. Et justement, l'Italie est dans UDREF, eh bien, UDREF est dans l'hôpital Notre-Dame de Petit Goire pour la subir examen et ensuite continuer prise en charge. Sauf qu'elle a perdu l'année scolaire, là, puisque. Parole a commencé à gagner dans le bilan et pas à suite que ça a un impact négatif sur les élèves. Là, bon, peut-être que je pense que mon logique va capter ça. Et je pense que là, on est capable d'aller un appui psychologique, Jean Severdian là. Et il n'est pas obligé de perdre aller à l'école là parce que ce n'est pas le premier acte. Et pour responsable, aller dans l'école là, parler avec. Et les vieux pour montrer mon sacrifié, hein? Oui. Pour bon, au contraire, tu as supposé supporter les élèves. Il faut que les parents soient allés dans l'école, là, parler oui. Notamment oui. Avec la direction de l'école, là, et puis parler avec les vieux, puisque ce n'est pas faute élèves. Oui, c'est oui, ça. Baba, m'en de ça encore, non, toujours sur le même dossier, ça, bien qu'on cause des actes viols. Est-ce que ça a été répété déjà dans la ville de Tigouave? De temps en temps, ça a répété. Tu devrais dire nous, pour moi, ça, moi, ce passé, pour arriver. Nous commençons au mois d'avril, là, je recevais 6 cas de viol. De temps en temps, je enregistrais par un cas à Petit Goave. Comme tout, avant hier soir, c'était un pile balle qui était tiré dans la zone là, pour la digue, route nationale numéro 2, route des Noirs, semblait taguer 3 bandits. Et la police municipale l'a pris à prendre qui tape entré dans la ville. Là, c'est un blackout, c'est terrible. Et puis, monsieur, ils font route de coupé. Et la police municipale lui-même t'a drainé balan, pile balle de tirer, c'était une intention pour être intimidé, monsieur Yo, mais on cassait tête tournée. Mais pas guère monde, qui était victime. Je suis un jeune garçon qui doit recevoir une balle dans le pied. La prend soin dans l'hôpital Notre-Dame de Petit Goave. Ça veut dire pendant un moment ça, la police qui lui-même avait essayé d'empêcher avec inconnu sa Benex à rentrer dans la zone, non, gagné un monde qui arrivait blessé. Oui, qui arrivait blessé. Mais qui blessé ça. Le commissaire Pavlan, qui était Charles Monod, pas concourant de opération ça. Les okay. Plein de tissus de ça. Et faut que la police municipale là, ça travaille du concert en collaboration avec le commissariat de Petit Goave. D'accord. Merci en pile, Guy Thomas. C'est ton plaisir. Nous dernière information. Alors, merci. Nous disons que le commerçant Nerland Charles, qui est mon Petit Goave, qui est qu'on a vendu ma fiancée pour au prince, après plusieurs jours de séquestration, les jouer une libération hier soir dans mes ravis. Mais la vie c'est relance son pingabali pour le papa aller, pour garder le silence. Merci en pile, Guito Mathieu. Merci en pile. Voilà, c'était collaborateur de Guito Mathieu. Bon, voilà, nous donnons tout le bagage. Oui. Mais sauf que ça, il m'a mis accent sur lui concernant et fillette 14 ans, ça qui lui-même, qui est jeune garçon, ça violé.
et bon dit avec en dit instance qui concerne dans ville Tigouav qui ont même chargé de situation ça souvent les filles qui ont violé ou bien les mesdames qui ont violé c'est bio appui qui doit bio appui médical et puis appui psychologique parce que il est pas obligé perdre année l'école là qu'on est vraiment et bon niveau éducation on n'est pas fait dans niveau ça côté 10 ans il qui doit garder le mal mais ouais, c'est ça ouais, arrive n'importe ouais, monde n'importe fille dans même l'âge avec parce que c'est pas lui qui t'es choisi à côté libre jeune garçon ça me dit ça bah malandrin ça excusez si me dit moi mais vraiment c'est vraiment inacceptable et comprendre causer ça Léonard décider et poser la passion si fille pour sous forme pour violer le comprendre faut penser action leur faire ou gain sœur gain madame ou gain cousine voilà nous sommes tout détail avec Guy Thomas Mathieu Antigouave et ben c'est n'a plus été dans région sud et j'ai venir nous parlons dans département dernier pense avec Henri Claude puisque gagne autorité policière dans département ça qui bail bilan opération bien pendant mois mars là avec Henri Claude nous parlons gagne plus information sur ça. Bonjour Henri Claude, nous comptons recevoir matin bah nous information sur département Niplan pour 4e sortie méga matin. Bonjour Blaise Jean-Willet Sévère. Bonjour Marcel Joseph et gros bonjour pour tout auditoire méga. Nous comptons matin jeudi à pour nous avec vous pour nous capable partager à auditoire méga une information qui a dominé l'actualité à notre département Niplan. N'a fait qu'on est ville la levée avec un temps en demoiselle parce qu'elle prend noyé et par rapport à la pluie qui t'a tombé hier même Jean coordonnateur technique protection civile département pendant le t'a prendre question un collègue par moyen téléphone a été fait connaître c'est un fond froid qui t'a passé et reste ça la cause en pile la pluie tombée sur le département et surtout dans Ronipa quand nous capable faire connaître département n'est pas divisé en Banip et Ronip et Roniplan à partir des petites rivières païens Miragouane est passé par Fondeneg et Banit, c'est en Savoie à nous, et Plaisance à Gamboucan, Petit Trou, Baradé, etc. qui fait partie, côté le fait qu'on est, et la pluie a bien pu tomber plus dans haut, ni plan. Et l'autre information, on a fait qu'on est environ 106 professeurs recevoir et qui t'a travaillé dans le programme à Sigoyo. Et recevoir et chèque hier mercredi d'après le directeur départemental éducation Niplan Odel Joseph fait qu'on est regrette assez dans le moment qu'il y a que professeur a recevoir chèque ça parce que chèque ça c'est pour l'année 2019-2020 recevoir et ensemble professeur qui travaille dans le programme d'école à Sigoa. Et notre information on a fait qu'on est la police dans le département Niplan présenté bilan travail réalisé pour mois de mars à côté, exécuté 48 cas, 16 avec mandat, 32 en flagrant délit, il y a enregistré 8 accidents qui la cause, il y a un monde mouri, d'après porte-parole la police à Ristel décembre, majorité accidents ça y a fait dans la commune de Tirivière, Payan, avec à Fondeneg, il y a reproché monde ça y a pour monde, et comme monde qui t'a fait viol et vol. Et porte-parole là qui pas de bail explication sur question qui a posé le concernant bandit qui t'a caché dans quelques régions dans le département fait qu'on est pour pas bouiller enquête qui a mené sous dossier ça rete même pour capable finaliser enquête pour connaître est-ce qu'il y a des monde qui sorti dans l'autre région qui vient cacher dans quelques coins dans le département de pendant le fait qu'on est population maître était quelqu'un y a travail pour vivre établir sécurité dans le département Niplan. Voilà, en gros, cette information pour nous partager à cause de toi, mes gars. Déjà, nous souhaitons bonne journée. À demain, si Dieu veut. Merci en pile avec Claude Clercin depuis le département du pays. T'as dit nous comment ça y est. Nous avançons plus devant pour aller dans le département sud, pour nous dire bien au CAI avec collaborateur nous, Jean Vanel Soliman, qui va dire nous comment au CAI levé pour matin jeudi, qui c'est 8 avril 2021. Et parlez-nous tout en détail sous bilan opération la police menée dans ville au CAI pour moi mars 2021. Si là, c'est collaborateur nous, Jean Vanel Soliman, qui déjà va informer auditoire. Radio Méga, Journal Méga Matin, non, ça a passé concernant Vilokai, puisque jeudi, non, jeudi 8 avril 2021, c'est 4e sortie. Journal Méga Matin, c'est 4e par Red Kubik, on trouve ce dans le journal, non, Javanel Soli. Et toute radio qui réunit Radio Méga et à travers, moi, spécialement, c'est là aussi, non, Vilokai, en département sud de pays, à Okai. Levé plus ou moins matin puisque nous connaissons hier et ville là
comme passé et avec les temps sombres, parce que c'est un peu toujours marqué avec la pluie, malgré pendant la nuit là, c'est la pluie et commence à tomber, mais qui s'est venu camper, on dit là, si nous commençons à déplacer là pour aller à l'école et chauffer taxi moteur déjà après la rue, et tout le monde déjà a commencé à vaquer à occupation. Et ça qui est dominé et actualité dans le département sud là, gagné. Le porte-parole de la police là, Pierre-Yves Lesage lui-même qui a dressé bilan un mois de basta pour Rizé jusqu'à un mois d'avril là, et bien faut qu'on dit selon les porte-parole de la police dans le département sud PIA, Pierre-Yves Lesage, il était porté plus précision sous une mort qui passait dans Fonfred, nous connaissons gagné trois mounes qui étaient tombés, et gagné parmi eux Peter Rousse, côté que madame était là, fait qu'on était marié lui-même, lui tape bandit, et bien nouvelle ça qui était un peu le problème en dans le département sud pays. Faut qu'on dit que la police a fait ça, il fait qu'on est. Eh bien, selon madame Peter Rousse, c'est gagné une bandit qui était à l'église Peter Rousse la Kali, c'est pas la police qui a tiré Peter Rousse, et bien c'est plutôt même bandit qui est tombé, et je sois ça, c'est même qui a cause la mort et Peter Rousse, il faut qu'on connaisse faut qu'on dit jusqu'à présent, et madame Peter Rousse même capable de justice pour Marie et une nouvelle tour qui va en pile problème dans Fonfrède, des fois qu'on dit population ça et qui très et solidaire avec un citoyen ça qui était Peter Rousse et a demandé pour que eh bien Peter Rousse lui-même les joignent justice et ça qui a dominé le département celui-là nous connaissons gagné une confession Simon et qui a commencé depuis hier qu'on est capable dimanche matin cabinet nous connaissons plusieurs et fidèles protestants et sortis à travers le pays pour que vous débarquez dans Simon pour être capable de venir louer et bon Dieu. Et puis troisième ville pays, vous pouvez vous trouver Radio Méga, moi c'est Jean-Vanel Soline. Merci on se met avec Jean-Vanel Soliman qui t'a bannou information sur Okaï. Nous avons quitté le sud pays pour aller dans le nord pays. Et puis précisément dans Gonaïve, dans la cité indépendance, dans la Tibonite, avec Mackenzie, lui qui parle de nous comment ça est pour Gonaïve, comment Gonaïve levé pour Matéa. Il parle de nous est-ce que nous gagnons ensemble avec nous Mackenzie lui qui pourrait dire nous comment ça est pour Gonaïve dans la cité indépendance. Bonjour Mackenzie lui, c'est un plaisir pour nous capable de recevoir Matéa. Bonjour Victor Samblaise. Bonjour Wilner. Je salue Marcel Joseph lui-même qui a assuré manœuvre technique. Nous saluons toute la population et artiboniciennement particulièrement Moun Gonaïve qui est toujours branché Radio Mega sous 106.3. Donc c'est un plaisir vous nous saluer tout agent sécurité qui a travaillé dans la banque centrale et la cité indépendante, dans la banque, disons banque et la cité indépendante, donc nous saluer. Et toute ma chaîne qui toujours capté Radio Méga. Et rapidement là, on a prêté nos informations, on a dit que nous avons levé là avec Mirizé et un demoiselle. Donc, il y a quelques nuages qui, pour le moment, a empêché le soleil lui-même d'aller apparaître cette pluie. Activité hôpital Saint-Blaise déjà reprend dans la cité indépendante. Donc, il y a justement et un pile de machines qui déjà va suivre différents circuits. Et donc, dans ce là c'est pour nous dire que l'activité même est déjà reprendre. Donc, on a fait rentrer une information justement gagnée. Et TPTC, Direction départementale des travaux publics, eux-mêmes, qui continuent avec la série travail, et justement pour capable de mettre asphalt sous quelques rues en dans cité indépendante. Là, on a parlé de route ODPG, côté que selon le directeur départemental, la route SILA lui-même, lui a sorti au niveau de la botte pour la sortie dans la zone Bois Marchand, pour le monde qui connaît Gonaïve. Donc devant cimetière Barachan, c'est la route qui a lui-même mis place sortie. C'est dans l'idée pour désenclaver la route nationale numéro 1, lui-même nous connaît toujours bon blocus là-dedans, surtout au niveau de Carrefour Bassin. Donc à satage route ça va le permettre à ce que le blocus lui-même diminue la route nationale numéro 1.
mais une question qui a posé, ça a gagné quelques temps depuis travailler même mieux campé sur route ODPGA, côté que gagné l'huile qui était déjà vidée sur une bonne partie dans l'outil là, mais qui campé et pour le moment sans monde pas vraiment connaît et qui véritable raison qui est à la cause ça. Et gagner une route et pas de Vincent Tourne, ouais, qu'il y a des travaux qui a pressé. Est-ce que le projet ça même va arriver finalisé? Justement, c'est la grosse interrogation, mais pour poser des matériels qui est à rentrer justement hier et on a là pour être capable de venir mettre à soit sur différents trous à courriel ça y est. Donc pour le moment, on a suivi comment les situations eux-mêmes et pour aller évoluer dans le jeu qu'a dit là dans la question infrastructure en dedans. Cité indépendante, on a très rapidement dit tout gagné en conférence pour la presse là, que coordination parti politique Petite Dessalines dans Gonaïve, yo même yo et by ailleurs, côté que constaté qu'il y a plus secteur dans le pays là qui a tiré à boulet rouge sur parti politique Petite Dessalines, en particulier secrétaire général là, ex-sénateur Moïse Jean-Charles, et lui-même, côté que yo t'a attaqué lui comme quoi moun k'ap fè jwèt pouvoir. Donc, comme quoi la coopérer avec le pouvoir, la paix diversion, eh bien, coordination, il vient de dénoncer attaque si la a fait sous patient parce que il fait connaître que Petite Dessalines lui-même n'est pas paré pour courir qu'un système pété sous et qui peut être grand pour kidnapping, insécurité, la vie chère, gang qui finit crasé classe moyenne. Non, il a constaté que porte-parole, on a parlé de. Il a constaté tout parole, secrétaire général Patria, lui-même, on a parlé de Moïse Jean-Charles, il n'a pas fait plaisir avec un pile gros secteur qui a un gros intérêt, non, et ça est capable de briller le système. Non, c'est peut-être la coordination communale Petite Dessalines, il va supporter, il peut supporter, disons, par le chef Patria qui c'est Moïse Jean-Charles, et il a demandé avec tous les sympathisants, tous les partisans Petite Dessalines pour rester mobilisé. Pourquoi payer même si l'Aïon qui justement apprenne à qui façon capable de dénigrer Patria qui constitue une véritable force de nos jours en d'un pays. Donc il y a profité des populations pour être mobilisé pour barrer projet référendum que Jovenel Moïse lui-même lui prévoit faire là. Et élection qui est qualifiée comme élection Genève que le président Jovenel Moïse lui-même lui est avlé fait. Donc dans ce sens, il y a même dit que. Après été mobilisé beaucoup de peuples jusqu'à ce que nos jeunes boutures en bas système pèsent souci. C'est là que le président Jovenel Moïse lui-même lui symbolisé. Non pas nous, c'est lui Mackenzie pour gros bouton ton radio à Mega. Rendez-vous 4 demain. Projet ça qui est là pour 3 l'année pour permettre à l'institution de renforcer plus dans l'idée pour améliorer la performance. D'après responsable institut formation et service, Ulrich Jean-Claude souhaite acteur concerné appliquer tout ça pour sortir dans le cadre d'atelier ça. Une façon pour plus proche groupe qui peut faire bio dans la société. En côté Ulrich Jean-Claude. La nouvelle approche ici, c'est une approche qui prend en compte de manière transversale tout aspect qui concerne les gens, qui concerne l'équité et qui concerne l'inclusion sociale dans tout ça qu'on a fait en dans projet A. Et parce que fondamentalement, projet A axé sur renforcement capacité institutionnelle d'État, que ce soit au niveau central et au niveau local, pour eux-mêmes améliorer les gouvernance. Donc, c'est devenu une obligation pour nous travailler avec entité d'État pour capable d'imprégner l'approche-là et appliquer lui-même la politique. Bon, c'est un projet de renforcement. OK? L'affaire renforcement, ça veut dire qu'on apporte les outils, on apporte les techniques, on apporte les approches de travail et surtout on discute avec eux l'importance de ça à faire. Et c'est à eux-mêmes qui va décider d'appliquer notre activité quotidienne, mais surtout notre définition politique publique qui pour renverser la façon de faire, la façon de gouverner, la façon de prendre des décisions et de tenir en compte les besoins spécifiques de groupes, tant pour femmes, tant pour jeunes, tant pour handicapés, tant pour des personnes marginalisées en tant que politique publique, que ce soit au niveau central et local. C'est des cadres techniques du ministère sectoriel. Nous avons des gens qui sont dans le ministère de la Santé publique, le ministère de planification, le ministère de l'Éducation, le ministère des Affaires sociales. Et on a invité des gens qui du ministère de l'Agriculture, dans la sécurité d'État et aux personnes handicapées, dans la sécurité d'État, la jeunesse et des sports. Donc, projet à la pour 3 ans. Nous déjà dans 1 an et demi. Donc nous sommes finis en février 2022. Capsule Santé. Une chronique du docteur Jean-Claude Desgranges.
Voilà, merci tout le monde. Moi, arrivé là pour être capable à écouter rubrique capsule santé avec docteur Jean-Claude Desgange. Je vais parler sous espérance de vie. Bon, bonjour. Je salue vous et puis je salue toutes les populations. Et dans le cadre de rubrique sous santé que nous animons depuis un petit bout de temps, nous allons parler d'une maladie qui fait un pile dégâts et qui empêche, qui diminue l'espérance de vie le monde et patient de par le monde, qui diminue l'espérance de vie population, maladie que les tensions. Et nous connaissons l'hypertension artérielle, tension, cardiaque, sont maladies parce que pour mon cœur, c'est un groupe pompier. Comme ça, vous voyez ce que l'on est pompier. Quand on connaît pas de pompe dans la taille, vous voyez l'eau ou bien un réservoir de mon forêt. Vous allez voir ça à l'étude à un niveau, et bon, niveau de l'eau un peu partout dans le tuyau, qui est alimenté, qui est immunio. C'est la même chose, pompe-là, fait à son pompe, et niveau est sang, normal, tant qu'il rouge, tant qu'il n'empêche pas de problème à l'année, la différence artère. Artère, c'est comme des tuyaux. Artère qui nourrit organes, c'est-à-dire, dans aller dans le rein, là, il y a la foi, là, il y a un peu partout dans le corps. Eh bien, dans ça, le pompe il exerce son pression. Lorsque la pompe est dure, il exerce son pression, c'est-à-dire une pression systolique, c'est-à-dire une pression supérieure. Systolique, ça veut dire qu'il faut effort pour faire ça aller dans le vaisseau, dans différents tuyaux, dans différents organes. Eh bien, alors, une pompe, lorsqu'il fait pression, ça, il va au repos. Parce que lui, c'est celui qu'on a, ou par exemple, l'autre pression, c'est la pression diastolique. La pression diastolique, là, qui a parlé au repos, et puis une grande pression que la pression diastolique. Donc, normalement, la pression, ça, tout à fait, tout individu, tout être humain, qui a une pression. Et normalement, 120 sur 70. Il y a des gens qui sont 120 sur 60. La pression systolique, ça, le augmenté, eh bien, il est capable de faire des dégâts. Et c'est ça qu'on a dit que la question systolique, ça, comment elle a augmenté, cette question, ça, pour nous poser des noms. Parce que ça fait, qui raison qui fait pression systolique, ça, pour que la pression, en tout coup, là, capable d'augmenter, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Et c'est de ça qu'on va continuer à parler. Par exemple, nous avons dit qu'un problème hérédité. Et des moules, dans la famille, il y a des tensions artérielles. Son maladie héréditaire. C'est-à-dire que nous avons un facteur de risque qui est lié à la fabrique. Ça veut dire que c'est des familles qui souffrent de tensions. Par contre, il y a d'autres familles qui parlent de tensions. Deuxième élément, on a plus de 55 ans. Et comme nous sommes géoriens, la maladie de personnage de troisième âge, nous rencontrons plus qu'à l'hypertension artérielle à partir de l'âge de 55 ans. Ok? Donc, à partir de l'âge de 55 ans, l'hypertension continue à commencer à augmenter. Ensuite, c'est réfléchi pour les jeunes adultes, par exemple, les adultes au moins de 40 ans, qui sont plus élevés chez les hommes que chez les femmes. Nous sommes capables de faire des enfants que des garçons. Et tout le monde entre 55 et 60 ans, 65 ans, tout en taillant est presque le même pour les deux sexes. Pour ça, parce que d'amenant, c'est un peu ménopausie, mais parce que ménopausant, bon, oh mon Dieu, l'estrogène qui est protégé contre les proportions. Ok? Ça, c'est le deuxième point pour transiter. Donc, à partir de toutes les personnes qui ont des antécédents familiaux, déjà, les personnes atteintes de certaines maladies, moi qui fais maladie sucre. Pourquoi on est comme des jours, tout le premier mission, je me dis non, que diabète, maladie sucre, c'est maladie, c'est cousin d'hypertension. Les maladies, ça, c'est des mauvais gènes qui baillent. Donc, pour une qui a maladie sucre, pour une qui a maladie sucre, qui n'a pas dormi, pour une qui a maladie sucre, c'est un autre qui a d'autres maladies sucre, d'hypertension. Et l'autre facteur de risque que je n'ai pas mentionné, c'est l'obésité, pour le corps gros. L'obésité, là, ça peut augmenter notre poids. Ça a augmenté parce que mon âge. Le problème, si vous ne mangez pas, parce que vous êtes capable d'agir sur lui, ça vous dit,
Okay.